Bien, tout le monde est prêt? Oui! Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. Bien, on remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des esquimaux, yes! Oh, elles sont toutes fondues. On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel, il est en panne. Hein? Oh, vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. J'ai... les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger. Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable, Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes. Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive. Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop. C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non. Mais regardez, c'est trop cool. Le sol est gelé. C'est méga glissant. Ouais. Merci, Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian!
Ryan, sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venue. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous, t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Mais j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants, allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion! Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens, tiens. C'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein. Ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même... bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue. Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. J'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti. C'est encore loin? Non, mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Il fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? J'ai tout prévu. Merci qui? Ça marche!
Et voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir. Je crois que le coup de froid est passé. Mais regardez ce temps splendide! Tiens, Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha! Ha 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 ha.